Eh bien, bonjour les amis, super content. Vous avez vu ce temps merveilleux, ce superbe beau temps. Ah, et ça nous fait plaisir. Mais attention, ça commence à bourgeonner au niveau des arbres fruitiers. Et ça m'embête un petit peu. Alors, j'espère que vous revivez. Vous avez la chance d'avoir ce beau soleil. On va, disons, profiter malgré qu'on a peur pour nos bourgeons. Hein, ça va chauffer peut-être à 15 degrés. Alors, je vous propose une chose aujourd'hui. C'est qu'on va travailler notre terre, car dans quelques jours, nous allons planter. La lune va être très favorable à partir du 21, jour racine. Et nous allons planter nos pommes de terre très précoces, Vitabella, Jeannette et Jazzy. On va se faire une belle petite ligne. Et alors, on va préparer aujourd'hui notre terre en incorporant notre terreau de feuilles. Notre terreau de feuilles. Alors, je vous explique. En surface, vous voyez, vous apportez votre amendement là. Voilà. Voilà, je vais encore en chercher un petit peu. Pour dire de bien nourrir. Alors, sachant qu'on avait déjà mis pas mal de feuilles, hein. On avait déjà mis pas mal de feuilles et on va l'incorporer. Bon, je vous fais une petite démonstration. Alors, n'oubliez pas que la meilleure des terres, c'est toujours celle en surface. Hein. Donc, on va l'incorporer en surface comme ça. Voilà. L'idéal, ça serait de ne pas marcher dedans pour pas trop tasser la terre. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il faut apporter à la terre avant de recevoir nos beaux légumes. Hein. Voilà, donc j'espère que vous, ça va super bien. On va se faire une belle petite tranchée quand on va les planter. Dans quelques jours, ça va être super. Et bon, n'oubliez pas que j'ai amassé énormément de feuilles qu'on mettra au-dessus une fois qu'on aura fait notre belle petite butte. Belle petite butte. Avec tous nos pommes de terre à 15 cm de profondeur. Voilà, bon les amis, donc Vitabella, Jeannette et Jazzy, trois sortes de pommes de terre très précoces à surveiller comme le lait sur le feu, parce que croyez-moi, le gel au mois de mars, quand ça va se pointer, il va falloir faire vachement gaffe. Si vous n'avez pas de feuilles, voile de forçage bien sûr, hein. Voilà, donc la lune très favorable, lune descendante pour planter. Hein. Voilà, donc une fois que, là je vous ai fait, là donc, une fois qu'on aura ajouté tout ce compost là, notre terreau de feuilles, on mélangera bien notre terre en surface et on fera une tranchée. Hein. Voilà, je mettrai une belle petite corde à partir de samedi. Ou alors, je le ferai à l'œil. Hein, on peut le faire à l'œil aussi. Hein, bon, voilà. Et on mettra 15 cm de profondeur nos pommes de terre. Bon, allez les amis, bonheur, joie, profitez de ce magnifique soleil. Cet après-midi, je crois que je vais aller faire un bon petit tour en vélo en famille. Et bon, ça fait un peu peur quand même. Hein. Vous voyez pas, ils annoncent 15 degrés, hein. C'est incroyable. Allez, tout le monde, bonheur, joie, super pour tout le monde. Allez, à bientôt. Bye bye.